Salut, c'est Mox, et je me retrouve aujourd'hui avec... Stain. Oui, c'est moi. C'est lui, regardez-le. Il est tout mignon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Stain? On fait des dessins. En même temps, c'est le but de ta... Quoi? Incroyable. Genre, généralement, moi, quand je regarde tes vidéos sur YouTube, tu dessines. Tu plaisantes. Je te jure, c'est vrai, mec. Ce serait pas le but de ma chaîne, par hasard. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dessiner quoi? Bah, justement, c'est ça le concept. C'est qu'il faut tirer au sort. On va tirer au sort des personnages et les faire dans un autre style. Ce serait pas Mashups, par hasard? Un peu comme un Mashups, mais en duo. Bienvenue dans Mashups Duo, l'émission où on assemble deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Je suis en compagnie de Stain. C'est moi. Et aujourd'hui on assemble un personnage dans un autre style. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une liste chacun. Du coup, chacun donne un numéro à l'autre. Maxime a sélectionné des univers et moi j'ai sélectionné des personnages. L'un va donner un numéro à l'autre et puis il faudra dessiner le mashup. Quelqu'un va tirer au sort un numéro. Le style sera un étoile numéro 3 combiné au personnage numéro 5 qui formera un style vraiment totalement différent. Après moi je suis nul pour copier des styles donc je pense que je vais juste le dessiner avec des vêtements dans l'univers. Ça le fait aussi. Je suis invité donc je propose de commencer. J'ai de 1 à 8. Numéro 4. Style numéro 4. Sera Diablo. Diablo? Il va dessiner dans le style de Diablo. Genre ça là? Ouais mec. Ah mais j'ai pas assez torché Diablo mec, j'ai aucune idée de comment je vais faire un truc stylé. Diablo 4, let's go. Donne-moi un numéro du coup pour le personnage. Ton personnage sera le numéro 5. Dwayne Johnson? Dwayne Johnson dans Diablo 4. Je parle de The Rock. The Rock. Dwayne The Rock Johnson. Dans le style de Diablo 4. Ça risque d'être marrant, tiens. Oh. Let's go. Oh, le carnage que ça va être. J'ai déjà extrêmement chaud. Eh ben, je vais me lancer. Commençons. Je vais faire un petit croquis. Moi, j'ai vos propres instants. Vas-y. J'essaie de faire une dinguerie au propre. The Rock. Dwayne Johnson The Rock. Je retrouve sur des images de fou. Ça c'est la meilleure. Image de rêve, je pense. Ça fait très Diablo comme ambiance, je trouve. Bah, en vrai, il a un pagne, hein. Dans Diablo, ils ont des pagnes. T'as fait que le Diablo 4, toi, je crois. Ouais, t'es encore et même pas fini. T'as pas trop avancé? Pas du tout. Du coup, pourquoi t'as choisi Diablo? Juste parce qu'il y a mon poster derrière? Ouais. Ou... Ok. Et je me suis dit que ça pourrait être un style marrant à faire, tu vois. Bah, c'est surtout un style horrible à faire, mais bon. Mais non. Si, c'est abominable de faire du Diablo, mec. Mais non, c'est trop bien. C'est des peintures médiévales. Bah, tu fais juste ultra chaud à faire. Bah, tu fais juste sa tête, au pire. Mais non, ça y est, j'ai trouvé une ref. Je vais faire une ref. Je sais pas si je vais faire un truc vraiment dans le même style. Je pense que je vais juste le déguiser en perso de Diablo, genre. Ouais. J'ai oublié comment je faisais pour m'envoyer des trucs. Airdrop. Mec, t'es trop intelligent, en fait. Je sais. Personne, toi. T'as vu ça? J'ai failli m'envoyer les planches du dernier chapitre de Hero. Ils ont lu Hero, tes abonnés? Je leur ai pas posé la question, mais. Est-ce que vous avez lu Hero? Ils devraient lire, c'est bien. On va faire comme dans Dora quand ils parlent, ils attendent après une réponse de. It's Pikachu! Non, pardon, c'est pas le bon mème. Et toi, quel est le moment que tu as préféré? Moi, j'ai déjà trouvé des trucs, rien. Je sais pas quelle classe lui mettre en fait. Je sais pas quel. The Rock! Ouais. The Rock, ce sera un clair, pas Chazal. Pourquoi ce serait un clair? Bah, parce que, genre, il est super fort. Et en même temps, il veut que tout le monde le voit comme un mec super gentil. Alors qu'il a littéralement un physique de Golgoth, mec. Ouais. Clair, c'est ça. Des persos, ils sont là, ils prêchent la bonne parole, mais en même temps, ils cassent la gueule à des gobelins tout le temps. Peut-être bien. Moi, je pense que ce serait un clair. Bah, écoute, fais-le en clair. Je sais pas quoi utiliser comme broche. Attends, j'avais vu acrylique. Ça me paraît bien, ça fait genre vieille peinture. Bah, carrément, mec. En fait, je me rends compte qu'il va juste ressembler, genre, à Shazam. Claire Shazam. Claire Shazam. Mec, un nouveau mashup. Voici donc mon joli The Rock dans le style de Diablo 4. Qu'est-ce que vous en dites? C'est beau, hein? On attend celui d'Alexis. Moi, ça va être long. Je décalque un peu sur des photos. Oh là là. Regardez ce qu'il fait. Une grosse merde. J'assume. Il est horrible, cet homme. Regardez son crâne chauve. J'ai le même crâne que The Rock, finalement. Est-ce que je ne serais pas la même personne? Peut-être bien, en vrai. Possible. On t'a jamais vu dans la même pièce avec lui. On t'a jamais vu dans la même pièce que The Rock. Après, c'est peut-être parce que The Rock est américain et que du coup, il habite un peu loin de moi. Mais peut-être que t'es américain aussi et que tu caches bien ton accent. Ça se trouve, je suis américain et vous le savez. Tu es texan, mec. Je suis la personne la plus texane que tu connaisses. Qu'est-ce que tu filmes? The Rock. Alexis a terminé. C'est loupé de fou. Mais c'est pas loupé. Si, 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 ça ressemble pas à The Rock, c'est pas The Rock. C'est juste un chou avec des tatouages. C'est moi. Mais je ne vois aucune différence. Non, mais en même temps, le style Diablo il est super dur déjà. Ouais. Et j'avoue que même si j'ai pensé le 3 et le 4, je connais pas assez le jeu. Du coup, j'ai du mal à capter ce que je peux foutre dessus. Dommage. C'est un fail pour le premier. Veux-tu enchaîner avec un deuxième? On est là pour ça, non, pour faire qu'un. Ben, on va faire 10 vidéos, comme ça on fera 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis pas payé. On va enchaîner avec un deuxième. Nickel. C'est le mashup mania après tout. Ouais, bah du coup, je choisis le perso. Enfin, tu choisis le perso en premier. Il est dangereux, il met des trucs sur la perche horrible là. C'est pas une perche? Montre aux gens la perche qu'on a fait. Regardez cette magnifique perche qu'on a créée de toutes pièces pour pouvoir filmer. Jouer à Zombicide, c'est super bien. Choisis un chiffre entre 1 et 10. 5. Le personnage sera Naruto. Naruto. Et bah du coup, je vais choisir l'univers numéro 7.
Les Teletubbies. Oh, le Naruto de fou. Naruto dans Teletubbies. Ok, ok, là je vais avoir de l'inspi, je pense. Naruto. Naruto. Sasuke. Il avait quand même un col roulé de zinzin, Naruto. Il doit pas avoir chaud, hein. Ouais, c'est il ça. Il doit pas avoir chaud, bah non, justement, c'est l'inverse, parce que le col roulé, il sert à rien, vu qu'il est genre au niveau des omoplates. À quel moment ça te protège du froid d'avoir un truc qui descend jusqu'ici, tu vois? Genre, ça ne sert à rien. Ils étaient pas prêts dans le village des ninjas, visiblement. Bah, on dirait bien. Je pense qu'on va avoir la même idée pour les antennes de Teletubbies. J'en avais eu une, mais du coup, j'en avais peut-être une deuxième. Parce que techniquement, il peut pas avoir de cheveux, là. Du coup, quand tu dis ça, Maxime, tu me terrifies. Est-ce que ce sera aussi terrifiant que mon Garfield dans le style de Junji Ito? Je pense qu'il y a des chances. T'as déjà vu les Teletubbies, toi? Bah, j'en avais quand j'étais bébé, quoi. Moi, c'est pas quelque chose que je vais poncer à mon âge, tu vois. Moi, je les ai saignés, les Teletubbies, mec. Récemment là. Récemment là, j'ai fini la saison 12 il y a pas longtemps là. Il y en avait autant. J'en sais rien. J'ai dit ça au pif. Je peux pas faire Naruto en Teletubbies, c'est impossible. Mais si tu peux, t'es capable mec. Comment on va reconnaître que c'est lui, tu sais? Mais t'inquiète. Bah je m'inquiète justement. Hop, hop. Il fait trop peur le fiat. Moi aussi en vrai. Bon, le croquis est fait, j'attaque le propre. Ouais, ce sera pas les dessins les plus détaillés du monde, hein. Ce sera des trucs faits vite fait parce qu'on en fait plusieurs à la suite. Ils sont trop durs à faire les signes de Naruto. C'est vrai qu'ils sont durs. T'essayes d'en faire aussi. Ouais, mais vu que c'est des Teletubbies, ça va, tu vois. Ouais, mais même en Teletubbies, c'est compliqué. Mais ils ont pas de doigts, en fait. Ah, c'est vrai. Bah, moi, je lui fais des doigts. Du coup, c'est juste un Teletubbies un peu creepy. Ah bah... Déjà, de base, ils sont creepy. Tu les trouvais creepy, toi, les Teletubbies? Quand j'étais petit, je pense pas. Je pense que c'était normal, mais... C'est vrai que quand je regarde maintenant, au final, avec leur gros cul, là, en plus... Qui a dessiné un Teletubbies? Tu penses qu'il était comment quand il t'a fait sur les dessins? Il devait galérer. Ok! Bah, j'ai pas de couleur. Je vais faire de la couleur quand même, ce sera plus reconnaissable, je pense. Vas-y. Mais je pense qu'en soi, à l'époque, tu vois, vu qu'ils avaient déjà les costumes, je pense pas qu'ils faisaient vraiment des dessins, à part peut-être des storyboards. Ouais, mais les costumes, il fallait bien les construire de quelque chose. Les concevoir? Les concevoir, pardon, de quelque chose. Bah, écoute, ouais, c'est vrai. Mais du coup, la personne qui a dessiné ça, elle est perchée. Je pense. Moi, ça me fait toujours rire les gens qui ont été traumas par les Teletubbies, mec. T'as été trauma par les Teletubbies? J'ai pas été trauma, mais je peux comprendre le fait que les gens l'aient été, tu vois. Ouais, c'est l'aspirateur qui m'a toujours choqué. C'est vrai. Qui fait trop peur. Pourquoi ils ont un aspirateur qui... Non, pas, j'étais dans le turfu, hein. Ils avaient un aspirateur automatique, ça existait pas encore à l'époque. Bah, c'est vrai. C'est ils, vrai ont... Que... ils ont prédit l'avenir. Hein. Ils ont prédit l'avenir. Les Teletubbies, c'est un peu les Simpsons de quand on était gamin. Choqué ou choque pas? Bah, je suis étonné de moi-même du dessin que je viens de faire. Genre... Il est cool. Franchement, il est cool. Moi aussi. Je pense qu'il est moins bien que le tien, mais il est quand même bien. Oh, dis pas ça. Ne te flagelle pas, Alexis, espèce de flageolet. Je me flagelle pas, c'est la réalité, tu dessines mieux que moi, mec. Oh, t'abuses. Si, t'es trop fort. Par contre, ce que tu sais pas faire, c'est écrire un manga. C'est vrai. Ce que moi, je fais. Il fait un manga, en fait, je suis là pour faire ma pub, moi. Je suis pas là pour dessiner avec toi. Moi, c'est que du business ici, Maxime. Ça marche, je vois. Je suis sur ta chaîne pour le business, moi. Je vois le genre, en fait. Je pensais qu'on était amis et tout, mais en fait non. Non, je suis pas ton pote, mec, y'a pas d'amis. Je suis pas ton pote, mec. Je suis pas ton gars, mon pote. Je suis pas ton gars, mec. Je suis pas ton mec, mon pote. J'ai plus les lettres. Ah non, je voulais pas faire l'arrière-plan. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est parce que j'ai oublié de refermer. Je sais pas pourquoi j'ai fait une voix bizarre. Je suis... Est-ce que tu as... Mon donut. Mon donut sucré. Au sucre. C'est nul, c'est nul. C'est si drôle, mec. C'est pas drôle. Si, c'est marrant, les donuts sucrés au sucre. Moi, j'aime pas rigoler. Non, mais ça, c'était pas marrant, mec. Mec, t'as pensé à mettre les Teletubbies dans les sujets de Culture Pot? Pas du tout. On a loupé une occasion, hein. Rien nous empêche de l'ajouter. Ajoutons les Teletubbies, donc. D'ailleurs, écoutez Culture Pot, notre podcast. Notre podcast, votre podcast préféré. Vous n'en reviendrez pas. Ouais, tellement c'est hilarant. Je ris. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais. Oh, ouais, ça l'est, parfois. Ça dépend des moments. Dessiner sur mauvais calque, mais. J'ai fini, oh, bien. Bien joué. Oh, on a pas eu les mêmes idées pour les antennes. Ah ouais? Ouais. Quoi? Même pas réagi à mon horrible. Le horrible. Le horrible. Et tu penses quoi de Naruto? C'est le manga de mon enfance. Je regardais avant que tout le monde regarde. Oh là, tu pourras pas. Mais je viens de le reboucher. C'est le manga de mon enfance que je regardais quand j'étais en CM2. Non, je regardais en CE1, CE2. Et après, j'en ai eu marre. Et puis les gens regardaient en CM1, CM2. Et du coup, j'étais en avance sur eux. J'étais un peu un hipster de Naruto. T'es un hipster de Naruto, mec? Ouais. Est-ce que c'est ton animé préféré? Je sais pas. Il est trop cool, le Naruto. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas mon animé préféré. Mais c'est l'anime qui est cher à mon cœur. J'adore Naruto. Merci Naruto de m'avoir moldé. J'ai pas la même expérience, mais je pense que c'est Naruto qui m'a filé mon amour du shonen. Parce que le combat Rock Lee Gaara, jusqu'à aujourd'hui, j'ai trouvé aucun combat qui m'a filé plus de frissons dans tout ce que j'ai vu et lu. Littéralement sur le cul, quand je le regardais quand j'étais petit. C'était un truc de fou. Vraiment trop bien. Rock Lee Gaara, c'était incroyable. Je pense que c'est pour ça que j'aime trop ce genre de fight où à chaque fois les gars se tapent et tu fais, mais jamais le gars pourrait être au-dessus. Et le gars là, il te dit, oh, j'étais à 10% de ma puissance. Et c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Ouais. Quand
Rock Lee, il pète avec la cara et après il est en mode ah, je peux retirer mes poids. Allez, je vais te péter la gueule. Let's go. C'est trop stylé. Du coup, voici mon Naruto Teletubbies. Voilà mon Naruto-bise. Il est trop mignon. Regardez, ils sont amis. Lui, c'est le Naruto un peu de demi. Toi, ils sont plus à Totoro. On dirait un Totoro un peu. Ouais, c'est vrai. On en fait un. Let's go. Du coup, tu choisis le personnage. Du coup, ce sera de 1 à 6 pour toi. Moi, je choisis le numéro 3. Et bah, ce sera Luffy. Luffy. Encore dans le thème du manga. Luffy de One Piece dans. Luffy de One Piece dans le numéro 4. Numéro 4 qui sera les Simpsons. J'ai déjà pas envie d'y être. Oh. Pourquoi? C'est drôle. Non. C'est horrible à dessiner les Simpsons, mec. Mais non, c'est bien. T'as déjà essayé de dessiner un Simpson? Oui. Ah oui, t'avais mis ton truc de tous les styles, là. Et oui, vous pouvez trouver ce... Mais c'est abominable, quand même. Vous pouvez trouver cette vidéo dans le coin de cette vidéo. Tu te hais, Maxime. Il me hait. Pour me faire plaisir, du coup, allez regarder cette vidéo. Comme ça, ça me ferait du bien. Regardez la vidéo, okay. La vidéo des 23h. Il dit juste ça parce qu'il est dedans. Ouais. De tous les univers sur Terre, prends le moins original. Faut faire des vues, mec. Ok, faut comprendre avec les vues. Tout pour les vues. J'ai chaud. La vache, j'ai chaud. La vache. Je sais pas comment dessiner. J'ai oublié comment on faisait. Bah, tu fais ça, voilà. Mais ça, c'est pas Simpson, c'est Morty. Ouais, mais on va pas se mentir que Rick et Morty, ils ont un peu triché dans le style des Simpsons, hein, je trouve. Vaguement, bah, comme tous les dessins animés américains de toute la planète, en fait. Tous les dessins animés américains adultes des 10 dernières années. 15 dernières années, vraiment, même. C'est trop ça. Ils ont aucune inspi. Matt Groening, c'est même un mec qui se copie lui-même avec Futurama, genre. T'étais plus Futurama ou Simpson, toi? Oh, je suis plus Futurama de fou. Ah, on est d'accord. Futurama, c'est le feu. Futurama, c'est tellement plus un banger. C'est le banger parce qu'il y a banger. C'est le banger de banger. Et je trouve que Futurama, contrairement au Simpson, il a su s'arrêter à temps. Enfin, presque. Bah, Futurama, il arrête, il recommence, il arrête à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Il a presque su s'arrêter à temps. Surtout que, je sais pas si tu savais cette histoire, que les deux avant-dernières saisons, c'est genre en fait juste des films qu'ils ont coupés en plein de petits morceaux. Ouais, mais ils ont fait une saison entre deux, je crois. Je crois, ouais. Bon, il est disproportionné, mais ça va. Ouais, il est trop dégueu. Plus jamais je fais un mash-up. Bah voilà, vous le verrez plus sur cette chaîne, c'est... Mais si, je veux refaire des vidéos sur ta chaîne, mais des mashups, mec. Bah trouve un autre sujet alors. Je suis trop nul en mashup. Je sais pas dessiner autre chose que mon style dégueu. Envoyez-lui de la force, même s'il le mérite pas. Non, il est dégueu mon style. Ne pleure pas, s'il te plaît. Mais si, il est trop moche pour Luffy. Bah moi, je pense avoir terminé, du coup. Bah moi, je vais me dépêcher de le finir parce qu'il est hideux. Voici mon joli petit Luffy. Le pauvre bébé. Regardez-le. Il est triste ou néo. Trop moche, mon Luffy. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est encore en train de copier? Bah arrête, il est bien ton Luffy. Je suis pas en train de copier. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste le calque au-dessus. Chapeau de Marge Simpson. Il est marrant, j'aime bien. Il est trop hideux. J'ai envie d'être ami avec lui. Avec Luffy Simpson. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'ils avaient fait des refs à One Piece dans les Simpsons? Ça m'étonne pas parce que les nouveaux Simpsons, ils aiment bien faire des trucs sur la pop culture d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont plus d'inspi. Il y a un gag du canapé où ils ouvrent une porte et il y a plein de refs à plein d'animés différents. Ah ouais? Et il y a Homer qui est déguisé en Zoro. Ok, ça veut dire qu'il trouve pas son chemin, c'est ça? J'en sais rien. J'ai pas vu One Piece. Bart, c'est Naruto, je crois. Ah, ok. Et il y en a un qui est déguisé en Eren aussi, mais je sais plus. Eren Yeager. Eren Yeager. Voilà, j'ai fini mon Luffy hideux. Le Luffy 2. Mon Luffy 2. Ah, c'est moche, c'est si moche. Mais arrête, c'est bien, j'aime bien. Arrête, je déteste. Je te l'envoie, mais c'est vraiment parce que t'en as besoin pour ta chaîne. Ça marche. Qui a gagné ce concours entre mon Luffy et son Luffy? Répondez-moi tout de suite. Du coup, c'est toi, largement. N'importe quoi, en vrai, il est pas beau. Je suis trop nul, mec. Il est basique. Le tien, il est juste magnifique. Il est laid. Il est laid. Il est lancelé. Il est lancelé. On enchaîne tout de suite. C'est toi qui choisis le personnage en premier? J'ai encore oublié. Non, c'est moi qui choisis l'univers en premier. C'est toi qui choisis l'univers. De combien à combien? De 1 à 5. Il y en a un sur lequel il a pas envie de tomber. 2. C'est lui. C'est celui-là. C'est quoi? T'as le droit de dire non et d'en retirer un. J'ai trop peur. The Boys. Ah! Non, en vrai, c'est cool. Par contre, c'est super dur de dessiner du The Boys. Oui. T'as déjà vu à quoi ça ressemblait, les comics? Non, mais on peut faire aussi un truc inspiré de la série. Bah, je sais pas, mais les comics, c'est super dur à dessiner, mec. Genre, vraiment, regarde. J'avoue. Tu vas galérer. On va galérer tous les deux. Je veux bien essayer. On essaye. Je sais pas, on veut pas y arriver, mais je vais essayer. Allez, c'est parti. Bah, du coup, donne un chiffre entre 1 et 9, mais évite le chiffre 4. Parce que c'est un personnage de The Boys, j'imagine. Potentiellement. Je suis sûr, c'est Homelander. Combien t'as dit 9? Entre 1 et 9.
9. 9, et bah ce sera Rick Sanchez. Rick Sanchez dans The Boys. The Boys. Let's go. Bah si tu veux, je laisse la ref là. Un gros visage, ça va pas m'aider. Après, c'est parce que si j'ouvre le comics. Non, ça va, attends, je peux trouver une planche qui est pas trop horrible. D'ailleurs, The Boys, il est dessiné par Darick Robertson. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait d'autre? Non, pas du tout. Il a fait notamment un comic qui s'appelle Transmétropolitan. Ça et The Boys, c'est les deux comics qui ont un peu lancé sa carrière avec Garth Ennis, du coup. Ouais. C'est un peu deux légendes du comics parce que ils ont fait The Boys et Transmet. Et ils sont très très connus. Et Garth Ennis, notamment, c'est un grand grand nom du scénario dans le comics. Et pour la petite info, du coup, toi tu le vois en direct dans le comics, mais les gens qui matent que la série sont pas au courant. Est-ce que tu savais que, du coup, toi tu le vois, le perso principal de The Boys, du coup, Yugi, un acteur super connu, le gars qui joue dans Hot Fuzz, Dernier Parent à la fin du monde, Simon Pegg. Simon Pegg. Et du coup, Simon Pegg a donné sa tronche pour être dans The Boys. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il apparaît dans la série. Ok, donc. C'est le père de Yugi. Ah oui, ok. Moi je pensais que c'était l'acteur. Non. Si tes fans veulent découvrir un truc très cool de tes mêmes auteurs, il faut lire Transmet, qui est très sympa. C'est une histoire cyberpunk sur un journaliste qui se balade dans une ville un peu dégueu. En fait, il veut mettre en avant toutes les dingueries que font les politiciens, etc. Et c'est ultra controversé, genre ils font des dingueries. Genre, notamment dans cet univers, il y a une espèce de conférence des religions qui a lieu tous les ans où toutes les religions se réunissent à un endroit, ils essayent de convertir tout le monde à leur religion, genre. Et Spider Jérusalem, le perso principal de Transmétropolitan, donc le journaliste, ouais. Et il se pointe à la convention déguisé en Jésus. Okay. Et il fout la merde en insultant tout le monde et tout. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Ils aiment bien faire des crasses un peu tous les gens. Et du coup, c'est cool. C'est un peu ce qu'il y a dans The Boys, de toute façon, non? C'est un peu ce qu'il y a dans The Boys, sauf que dans The Boys, on est plus sur du coup un univers super héroïque. Ouais. Alors que Transmet, on est vraiment, comme je vous dis, sur du post-apo. Les petits conseils BD de Alexis. Que vous pouvez retrouver sur Culture Pot. En plus, ces derniers épisodes qu'on a tourné, je pense que j'en fais au moins un par épisode à chaque fois. Ouais, parce que t'arrêtes pas d'ajouter toujours des sujets de BD. Ouais, j'aime trop de la pop culture, mais ça se voit, non? Non. À peine. Pas du tout. Ok, là, je suis un peu plus fier de moi déjà. J'ai l'impression de faire un truc ultra chaud. Hein. T'as fait un truc super technique, mec. Alors, il a une grosse calvasse. Bon, je l'ai fait en super héros, je l'ai pas fait en humain. Moi, j'ai fait en humain. En vrai, super héros, c'est quoi le mieux, je pense. Vu les super héros de The Boys, je dirais oui. Oui. Oui, il pourrait faire ce qu'il veut. D'ailleurs, The Boys qui se fait trash talk depuis la série. Pour quelle raison? En fait, justement, avant, les gens juraient que par les comics en disant que les comics étaient incroyables, etc. Et quand la série est sortie, ils ont tous retourné leur veste en disant que la série était vachement mieux. Pas mal fait démonter. Ce qui me déprime un peu, parce que je pense que je préfère quand même la série, mais je trouve que les comics restent vraiment excellents. Le seul gros bémol que les comics ont par rapport à la série, c'est qu'il y a beaucoup d'arcs un peu filler, où genre il y a pas grand chose qui avance. En fait, c'est vraiment, c'est 8 volumes en comptant un spin-off. Il y a beaucoup de tomes qui sont juste là en mode on va choquer pour choquer, quoi. Et c'est un peu dommage, il n'y a pas de réflexion derrière. Là où la série a ce côté, ils font du trash, mais il y a une volonté de faire réfléchir les gens sur ce qu'ils font. Ok. Pourquoi les gens ne peuvent pas apprécier les deux médias, je sais pas. Parce que je pense que les gens sont aigris. Je suis d'accord que le côté un peu controversé de The Boys, je pense qu'il passait bien quand c'est sorti, parce que The Boys est sorti avant 2010, je crois. Du coup, à l'époque, les mœurs c'était pas pareil et on pouvait se permettre de faire du trash comme ils font dans les comics, parce que c'est vrai que les comics, franchement, par rapport à la série, c'est vachement plus gore. Et Dieu sait que la série c'est gore. Et Dieu sait que la série est bien gore. C'est plus le fait que avant les gens disaient The Boys c'est un pur banger, il faut absolument lire ce comic, c'est une tuerie. Et que depuis que la série est sortie, ils disent The Boys les comics sont nuls et il faut absolument voir la série. Je sais pas, ça m'a trigger un peu, tu vois. T'as le droit de trouver que la série est mieux, mais pourquoi tu casses les comics? Pourquoi l'un est forcément mieux que l'autre? Pourquoi tu peux pas apprécier les deux à leur juste valeur? Surtout que, comme je t'expliquais quand toi tu t'es lancé dans la série, les comics n'ont absolument rien à voir avec la série. Genre vraiment, y a vraiment que les personnages qui reviennent l'un dans l'autre, c'est les mêmes persos à chaque fois. Enfin, je dis vraiment rien à voir, c'est vraiment deux trucs différents, quoi. Oh, mais il a l'air technique de fou, le tien! Ouais, mec. Waouh, wow, je suis triste. Mais n'importe quoi. Je fais des ombres un peu n'importe comment, je t'avoue. Je sais pas du tout comment faire là. Tu t'es déjà attaqué au style comics, je crois pas. Hein. Pas du tout. Est-ce que c'est un style que t'aimerais essayer? Que j'aimerais essayer peut-être, mais un style que j'aime pas vraiment. J'ai jamais trouvé le comic attrayant, tu vois. Après, on est sur du comics très réaliste et des styles très variables, genre Scott Pilgrim, c'est du comics, tu vois. C'est vrai. Pourtant, le style n'a rien à voir avec du comics. Ouais, c'est du comics que j'aime bien, ça, tu vois. Ouais. Je suis vraiment un truc bien dégueu comme il faut. Hein. Moi aussi c'est dégueu. Hein. Je gratouille mon écran. Hein. Mais comme je disais, on va pas faire des trucs ultra détaillés non plus. Mais quoi? Arrête de dire c'est pas détaillé, regarde ce que tu fais. Arrête de m'agresser, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire surtout pas détaillé mais genre ultra propre, quoi. Fait un truc un peu crade, quoi. Après toi tu regardes à l'envers aussi, tu vois pas les défauts qu'il y a. Je vais te casser la gueule. Je veux faire graisser. Les gars, fais des preuves là. Et qu'est-ce que tu penses de Rick and Morty? J'aimais bien, puis après j'ai arrêté de regarder, et puis j'ai plus envie de regarder. Tu t'es arrêté à quelle saison? 3 ou 4, quoi. Bon, en vrai, c'était les meilleures saisons, je trouve. Ah ouais? Ouais. La dernière a remonté un peu la pente, et je pense que c'est parce qu'on a viré, je crois que c'est Dan Harmon. Mais il y en a un des deux qui a été viré de la série, et comme c'était le plus chelou des deux, le fait qu'il soit parti, ça a remonté un peu les, je vais pas dire l'audimat non plus, mais la qualité intrinsèque. Je sais pas pourquoi je dis ce mot.
Il essaie de paraître intelligent. Genre, ça remontait un peu la qualité globale de la série, tu vois. Et du coup, la dernière saison est vraiment cool. Mais globalement, après la saison 4, ça a perdu de sa superbe. Et c'est un grand fan de Rick et Morty qui te dit j'ai un Morty dessiné sur le bras. Il y a un Morty sur le bras, il a des posters Rick et Morty. C'est une série que je conseille à beaucoup de gens, du moins sur les premières saisons. Ça a des thèmes très cool. Et puis, l'humour est plutôt drôle. C'est vrai qu'il passe bien. On est sur un humour très trash, mais c'est pas une série pour gosses, quoi. Tu vois, c'est pas que les Simpsons qui a des thèmes très adultes, mais que je pourrais montrer à des enfants. Alors que Rick et Morty, c'est vraiment pire débile. De mémoire, il y a des sujets assez dérangeants, quand même. Oui. Surtout, bah, justement, dans les dernières saisons. Mais moi, j'ai fini. Hein. Je te regarde finir ton dessin pas détaillé, apparemment. Pas détaillé à ce qu'il parle. Pourquoi il a le bras d'Iron Man? Parce que c'est un super-héros, et du coup, son pistolet laser, là, et ben, c'est devenu son pouvoir. Ah ouais, ça a l'air trop intéressant ton histoire, mec. Pourquoi je me fais bolos comme ça là? J'ai rien demandé, moi je dessine, je suis content. Parce que j'ai le seum, parce que j'ai dessiné mieux. Voilà mon Rick dans le style de The Boys. Et le mien dégueu. Arrête, il est mignon. Il est mignon, il a dit. Faisons-en encore 4 dessins. Tu veux encore en faire 4? Non, on a déjà fait 4 dessins. Ah, bah on peut faire un 5ème, c'est à moi de choisir. C'est à toi de choisir un personnage. Entre 1 et de 8. 1 à 8. 5. Pikachu dans le style du numéro 1. Adventure Time. Ah, ça va. Let's go. Ça va. Je vais quand même pas réussir à le dessiner, mais ça va. Mais si, tu vas y arriver. En vrai, Adventure Time, je pense que c'est un faux style facile. Faire du minimaliste comme ça, c'est quand même assez compliqué en vrai. Voilà, on est d'accord. Ça paraît pas, mais c'est pas facile facile. Tu savais que le nom de Pikachu, c'est Jean-Luc? Ouais, mais c'est trop drôle, ouais. Et tu savais d'où elle vient la ref? Non. Je l'avais en plus. Je crois que c'était un acteur ou un truc comme ça, je sais plus. C'est Jean-Luc Reichmann. C'est, bah, en fait, c'est une référence à la France. Genre pour de vrai, c'est pas Jean-Luc. Ouais. Mais je sais d'où ça vient exactement. Ça me fait beaucoup rire que pour les Japonais, les noms comme Jean-Pierre et Jean-Luc, ce soit stylé alors que chez nous, c'est des prénoms de vieux ou de bof. Jean-Luc. Dis pas ça, y a peut-être des Jean-Luc et des Jean-Marie et des Jean-Pierre. Puis c'est des Jean-Luc bof qui regardent la vidéo de Maxime. Je vais ruiner ta chaîne, mec. Plus jamais tu reviens. Pour le Nalefu, Adventure Time, et tout le monde réplique. Maxime. J'attaque le propre. Oh non, il est hideux. Ma mine ne marche plus, mec. Faudrait peut-être penser à en racheter. C'est vrai, t'as totalement raison. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Mais vu qu'il ne pense pas. Mec, t'es sur le propre et moi je suis seulement en train de trouver quoi faire. Mais faut pas chercher compliqué dans Adventure Time. Une souris avec des yeux ronds. Mais c'est toi qui sais bien dessiner d'autres style, moi je sais pas faire. J'ai passé tellement de temps à essayer de perfectionner un style que j'arrive pas du coup à faire d'autres trucs. Il est hideux. Il est pas hideux, mec, c'est ce que tu en penses qu'il est. Parce que ça fait du sens. Le Pikachu. En plus, on est deux ringards de Pokémon, non, je crois. Ouais, je sais pas. Je m'y connais pas beaucoup. Hein. Ouais, moi non plus. Hein. J'ai pas fait partie de la hype Pokémon. J'y ai joué quand j'étais gosse, comme tout le monde, je pense. J'ai joué un petit peu. Mais j'étais pas un. Puis un jour, je me suis fait arnaquer de mes cartes Pokémon et puis j'ai plus jamais joué. J'ai fini le mien, il est dégueu. Il est trop bien, arrête. Regardez, il est trop triste, alors qu'en fait, il est trop bien son jeu. Oh, mon Pikachu. Mais il ressemble au style d'Adventure Time en plus. Pas du tout. Mais si. Mais non. Je le verrai bien dans le dessin animé, genre. Moi, je trouve pas. D'accord. Je fais du man spreading dans la vidéo chez moi. Tu es triste, moi je suis content. Mais t'as fini le tien au moins? Oui, 5 c'est bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit mashup marrant? Mashup duo, mashup mania. C'était marrant vite fait parce que moi j'arrêtais pas de dire que c'était nul ce que je faisais. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous en avez marre qui se plaignent? Ouais. Si vous en avez marre qui se plaignent, envoyez 1 au 880. Si vous en avez pas marre qui se plaignent, envoyez 2 au 880. Qu'est-ce que tu fais, Maxime? T'es en train de péter un câble. Je deviens une chaîne de télé qui veut récupérer 69 centimes par des messages pour sauver ton personnage préféré dans Secret Story ou je sais pas trop quoi. C'est moi ton personnage préféré dans Secret Story? Ouais. Bah écoutez, je pense que c'est sur une fin de vidéo là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, merci Alexis d'être venu. Bah c'est toi qui es venu chez moi. Merci d'être venu sur ma chaîne du coup. Bah de rien. Puis bah on se retrouve la prochaine fois sur une vidéo similaire ou peut-être pas, qui sait. Allez, salut, bisous, ciao.